Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous propose aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Bon, vous allez me dire que je dis tout le temps ça, mais c'est vrai cette fois-ci. La vidéo est top et en plus, vous ne la verrez pas ailleurs. Il s'agit d'un test croisé entre le Galaxy S23, le Xiaomi 13 et l'iPhone 14. Attention, ça va faire mal. Le Xiaomi 13 est bien sûr le successeur du Xiaomi 12, un smartphone que j'avais bien aimé. Il est ici dans sa version classique du Xiaomi 13 Pro que nous avons déjà testé sur cette chaîne. Si vous voulez tout savoir sur le Xiaomi 13 Pro, vous avez un lien direct juste au-dessus. Vous avez certainement vu partout ailleurs des tests complets sur le Xiaomi 13. Au lieu de vous proposer un test que vous avez déjà vu et revu, nous avons décidé de le comparer à ses deux principaux adversaires sur le segment haut de gamme. D'ailleurs, entre ces trois, les prix sont voisins, à quelques dizaines d'euros près, les propositions sont proches et ils ont tous des forces et des faiblesses différentes. Pour rappel, le Xiaomi 13 est vendu au prix public conseillé de 999 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il subit donc une hausse de 100 €, ce qui n'est pas anodin. Mais le nouveau tarif du Xiaomi 13 n'est pas incohérent face aux concurrents. 110 € de plus pour l'iPhone 14, 100 € de plus pour le Galaxy S23, Xiaomi suit la tendance. Mais cette différence se justifie-t-elle? Le rapport qualité-prix est-il bon? Et surtout, le Xiaomi 13 est-il meilleur que ses concurrents ou pas? Nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, petite séance de forçage YouTube pour vous rappeler qu'il est très important de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner pour faire grossir la communauté et d'activer les notifications pour être prévenu de nos nouvelles sorties. Merci pour votre soutien et pour tous vos commentaires qui nous font vraiment plaisir, même les négatifs qui nous poussent à nous améliorer. Allez, place au combat! Commençons avec le design. Et au dos du Xiaomi 13, nous voyons assez rapidement que Xiaomi se rapproche davantage d'Apple que de Samsung, notamment grâce à ce module carré coincé dans le coin supérieur. Mais celui du Xiaomi 13 est plus imposant, il n'est pas aussi subtil que celui de l'iPhone. Entre les trois, j'ai peut-être une petite préférence pour le S23 qui est plus discret. Après, c'est chacun ses goûts et nous respectons que chacun est le sien. À l'avant, le Xiaomi 13, avec son poinçon et son lecteur d'empreintes sous l'écran, va plus se rapprocher d'un S23 car Apple tient mordicus à son encoche avec Face ID. Côté audio, tous les téléphones proposent une expérience stéréo asymétrique dont la qualité est assez similaire. J'aurais tendance à préférer celle du S23 parce qu'elle est mieux travaillée avec Harman Kardon. Les trois smartphones sont habillés de verre minéral et d'aluminium. La coque est certifiée IP68, les téléphones supportant un bon bain. Le Xiaomi 13 est le plus grand et il est le plus lourd. En contrepartie, il bénéficie aussi de la plus grosse batterie et du plus grand écran. Nous en reparlerons bien évidemment. Côté logiciel, vous avez ici Android 13 avec MIUI 14. Cette interface est très complète avec de chouettes fonctionnalités comme le cardiofréquence mettre avec le lecteur d'empreintes digitales, déjà vu chez Realme par exemple. Mais il y a beaucoup de publicité et c'est vraiment dommage, notamment sur un téléphone à 1000 €. Il n'y en a jamais chez Apple. Parlons maintenant de l'écran. Retrouvez ci-dessous les principaux détails sur les trois dalles proposées ici. Ce sont toutes des dalles OLED ou AMOLED, avec du HDR, du contraste et de beaux angles de vision. Le Xiaomi 13 est compatible Dolby Vision, comme l'iPhone 14. Vous remarquerez que la dalle du Xiaomi 13 est la plus grande. Et parce que sa définition est similaire à celle des concurrents, elle est aussi celle qui propose la moins bonne résolution. Ce n'est toutefois pas un point négatif. Un écran QHD ici n'aurait pas fait sens, et cela aurait augmenté la consommation d'énergie. L'écran du Xiaomi 13 est le plus lumineux en mode automatique, avec des pointes à 1200 nits sous le soleil. En mode manuel, c'est le Galaxy S23 qui est le plus lumineux, puisqu'il monte à 800 nits contre 700 pour l'iPhone et 500 pour le Xiaomi 13. Cela reste donc largement exploitable sous le soleil. Le taux de rafraîchissement maximal est identique chez Xiaomi et Samsung, Apple refusant de passer aux 120 Hz. En revanche, le S23 propose une plus grande variation de ce taux. Xiaomi est donc entre les deux concurrents sur ce point. Enfin, côté colorimétrie, l'iPhone respecte bien plus les couleurs que la concurrence avec un mode par défaut irréprochable. Le S23 et le Xiaomi 13 le sont déjà moins, même en mode naturel. Si vous aimez les couleurs saturées, ce Xiaomi 13 vous plaira certainement plus. Passons sous l'écran et parlons performance. Le Xiaomi 13 et le Galaxy S23 profitent d'une plateforme assez similaire, le Snapdragon 8 Gen 2 de chez Qualcomm, épaulé dans les deux cas par 8 Go de RAM. Chez Samsung, il s'agit même d'une version optimisée. Chez Apple, nous avons un A15 Bionic avec 6 Go de RAM. Ce sont deux belles plateformes très efficaces, l'une comme l'autre. Les benchmarks montrent que l'A15 est aussi puissant que le Snapdragon au niveau CPU, mais qu'il se laisse distancer au niveau GPU. À l'usage, les trois smartphones sont tout aussi plaisants les uns que les autres à utiliser, que ce soit pour les usages du quotidien ou le gaming. Même sur l'iPhone, oui madame. La plateforme d'Apple est peut-être un peu moins puissante au niveau GPU, mais elle est aussi beaucoup plus stable et maîtrisée. La température du soc reste basse et la stabilité s'échelonne entre 75 et 85%. Sur les plateformes sous Snapdragon, la stabilité est plus faible, entre 60 et 70%. Et la température monte. Chez Samsung, par exemple, cela dépasse les 45 degrés.
Après les performances, on va parler des batteries. Sur la partie autonomie, il y a trois points importants. La capacité de la batterie, l'autonomie et la recharge. Et dans les trois, le Xiaomi 13 est le meilleur. D'abord la capacité, parce qu'il est le plus grand, le Xiaomi 13 dispose de la plus grosse batterie. 37% de plus par rapport à l'iPhone, 15% de plus par rapport au Galaxy. La messe est dite. Ensuite, l'autonomie, en usage standard, avec web, photos, réseaux sociaux, appels, streaming, etc. Casual gaming, bien sûr. Le Xiaomi 13 atteint les 2 jours d'utilisation, alors que l'iPhone 14 et le Galaxy S23 sont légèrement en retrait. Et pour les joueurs, le Xiaomi 13 offre également la meilleure endurance. Enfin, sur la recharge, le Xiaomi 13 est le seul à proposer une expérience vraiment qualitative. Avec un chargeur 67 watts, il se charge entièrement en 45 minutes, contre 1 heure et 20 minutes avec la concurrence. De même, sur la charge sans fil, elle est beaucoup plus rapide chez Xiaomi que chez les concurrents. Et en plus, il est le seul à être fourni avec un chargeur. Oh yeah! Dernière partie de ce duel à 3, la photo. C'est un domaine où tous les smartphones tentent de se démarquer. Et pour cause, c'est avec le design et l'autonomie l'un des critères de choix les plus importants. Notez que sur DxO, l'iPhone 14 et le Galaxy S23 sont 24e ex aequo et le Xiaomi 13 est 30e. Oh ! Vous pouvez retrouver ci-dessous les infos importantes concernant la configuration de chaque téléphone avec des comparaisons pour chaque catégorie de capteurs. Principal, ultra grand angle, zoom optique et selfie. Et pendant que vous lisez les caractéristiques, j'aimerais faire quelques commentaires. Avec une première remarque générale. En photo, Xiaomi et Samsung ont eu les mêmes idées. Alors qu'Apple conserve sa stratégie d'homogénéisation historique avec que des capteurs 12 mégapixels. Apple qui conserve aussi sa stratégie de segmentation. Le zoom optique reste une exclusivité de la gamme Pro. Et ça, c'est vraiment dommage. Nous remarquons aussi que Xiaomi supprime enfin son capteur macro, même si celui du Xiaomi 12 était de bonne facture. Et la marque chinoise a amélioré l'ouverture de tous ses capteurs, principal, téléobjectif, panoramique et surtout selfie, pour apporter plus de lumière et plus de détails aux autoportraits. Les forces du Xiaomi 13 en photo, ce sont les portraits qui sont bien travaillés, la reproduction des couleurs qui est bonne et l'effet Leica authentique qui n'exagère pas sur le contraste et la saturation des couleurs. Les textures sont généralement bonnes. Les faiblesses du Xiaomi 13 concernent notamment la gestion de la lumière, que ce soit de nuit ou en intérieur. Les détails tendent à manquer dans ces situations. L'autofocus est également un peu lent, toujours dans ces mêmes conditions. Si les résultats en pleine journée avec lumière généreuse est globalement bonne sur les trois téléphones, le S23 s'en sort mieux la nuit avec une meilleure gestion de la lumière, sauf sur les contre-jours où les contrastes faiblissent, ici aussi. L'iPhone 14, même s'il n'est pas parfait, s'en sort mieux avec des conditions de lumière complexes. En revanche, il va manquer de détails, notamment si vous zoomez. Alors, que penser du Xiaomi 13 par rapport à la concurrence? D'abord, face à Samsung, Xiaomi ne joue pas dans l'originalité. De nombreux éléments sont communs sur l'affichage, les capteurs biométriques, la configuration photo, la plateforme, la RAM, le stockage. Choisir entre les deux se résume presque à une histoire de goût. Face à l'iPhone, le Xiaomi 13 est plus grand, plus puissant et plus complet dans deux domaines, l'écran et la photo. Mais il est aussi un peu moins qualitatif dans ces deux mêmes domaines. Parfois, en faire moins, mais le faire mieux, c'est plus pertinent. Et face à ces deux adversaires, le Xiaomi 13 se démarque grâce à une meilleure expérience autour de la batterie, que ce soit en autonomie ou en recharge. En plus, le chargeur est inclus pour profiter de cette expérience. Voilà qui justifie complètement les 50€ de plus à payer pour acheter le Xiaomi 13 face au Galaxy S23, par exemple. Objectivement, je trouve que ces trois téléphones se valent. Ils ont tous des qualités et des défauts, il est donc très difficile de les départager. Dites-nous d'ailleurs en commentaire s'il y en a un qui vous fait plus d'œil que les autres. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours du bien. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, nous y répondrons avec plaisir, même si des fois ça arrive un peu tard. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien !